À la une, au Mali, l'on nous signale la mort d'un influent terroriste. Au Mali, un chef terroriste est mort. Mort au cours d'une opération des forces armées maliennes. Selon l'armée malienne, Adou Diallo a été tué mardi 29 août au nord-est de Niafunké sur la base de renseignements. Niafunké est une ville malienne sur le fleuve Niger, située à 250 km au sud-ouest de Tombouctou. Activement recherché, ce terroriste influent est accusé d'être impliqué dans l'attaque d'obus survenue le 18 août 2023 et contre le camp de la garde à Tombouctou. Alors voici le communiqué des forces armées maliennes sur sa page officielle Twitter, je cite « Urgent, poursuite de la reconnaissance offensive dans le secteur de Anéfis. Ce mardi 29 août 2023, aux environs de 8h00, des frappes aériennes ont été menées contre des colonnes de véhicules des groupes armés terroristes. La suite sur le site FAM. Outre la mort de cet influent terroriste, l'armée malienne a aussi annoncé avoir tué Anéfis, région à Anéfis, autant pour moi, dans la région de Kidal, plusieurs combattants terroristes sans préciser le nombre. Il s'apprêtait à attaquer des positions FAM. Alors, c'est tout pour cette note d'information, monsieur et dame. Merci de laisser vos impressions en commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine pour de nouvelles actualités. Restons ensemble.